Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série de cours de base de la géotechnique. Nous allons enchaîner sur le chapitre relatif à la résistance au cisaillement des sols. Aujourd'hui, nous allons voir le critère de Mohr-Coulomb. Et je commence par la notion de la courbe intrinsèque. Dans le cas général d'un matériau, n'importe lequel, qui est isotrope et homogène, l'état de contrainte dans le matériau est limité par une courbe. C'est une courbe enveloppe des états de contrainte appelée courbe intrinsèque du matériau. C'est-à-dire que si je prends un point M du matériau et je représente l'état de contrainte en ce point dans le plan de Mohr, alors comme nous avons vu avant, le plan de Mohr, il est composé d'un axe des contraintes normales et un axe des contraintes tangentielles. Et je représente le cercle de Mohr dedans avec la contrainte principale mineure ici et la contrainte principale majeure là. Donc une fois que j'ai tracé le cercle de Mohr, donc il y a une courbe enveloppe qui va envelopper tous les cercles de Mohr représentant les états de contrainte dans le matériau. Voilà. Alors, c'est quoi le rôle de cette courbe intrinsèque? C'est de limiter les états de contrainte. Ça veut dire qu'elle va limiter la zone où les contraintes sont permises ou bien possibles de la zone des contraintes impossibles. Voilà. Alors, pour être plus clair, je dirais que, par exemple, si je prends un point M de mon matériau qui est stable, qui est bien stable, ça veut dire loin de la courbe intrinsèque, on dit qu'il est en équilibre surabondant. Par exemple, à un point donné où l'état des contraintes est relativement petit, avec ce cercle de Mohr, sigma 3 et sigma 1, je dirais que ce point se trouve en équilibre surabondant parce qu'il est loin de l'enveloppe, c'est-à-dire la courbe intrinsèque. Mais si je diminue mon sigma 3 dans ce sens, ou bien j'augmente mon sigma 1 dans ce sens, qu'est-ce qui va se passer? Le cercle de Mohr va s'agrandir. Par exemple, si je prends ce deuxième cas, ça va être quelque chose comme ça. Si j'augmente encore le sigma 1 ou bien je diminue le sigma 3, le cercle de Mohr va s'agrandir jusqu'à ce qu'il va être tangent à cette courbe intrinsèque. Donc, c'est l'état d'équilibre limite dans mon matériau. D'accord? Je ne peux pas dépasser cet état de contrainte parce que c'est à partir de ce point qu'il y aurait la rupture du matériau. D'accord? Parce que j'ai atteint le maximum. Cette courbe que vous voyez là, la courbe intrinsèque, elle représente une résistance du matériau. La résistance du matériau, si je la dépasse, il y aurait bien sûr rupture. Voilà. Alors, donc, la question qu'on se pose, cette rupture va être sur quelle surface, sur quelle direction? Alors, la direction sur laquelle il y aurait la rupture, c'est celle qui correspond à ce point du cercle de Mohr. C'est le point d'intersection entre le cercle de Mohr et la courbe de rupture. Donc, si vous connaissez, par exemple, la direction principale majeure, vous pouvez, donc, sur le cercle de Mohr, trouver l'angle entre la direction principale majeure et le plan de rupture. Et après, vous passez au plan réel en divisant par deux, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, pour trouver la direction de la surface de rupture dans le plan réel. Voilà, ça c'est un détail donc que je voulais mentionner. Bon. Passons maintenant au cas des sols. Nous étions dans le cas général d'un matériau. Maintenant, nous allons passer au cas des sols.
Alors, l'expérience a montré que la courbe intrinsèque d'un sol est constituée par deux demi-droites qui sont symétriques par rapport à l'axe des sigma, des contraintes normales. Donc, sur les deux schémas que vous voyez là, c'est toujours donc les deux demi-droites qui sont symétriques. Voilà. Il y a une petite remarque que je dois absolument évoquer ici, c'est que tout à l'heure, lorsque nous parlions d'un matériau, dans le cas général, nous avions ici dans le plan de mort, donc ici, la contrainte normale sigma. Et lorsque nous sommes passés au sol, nous avons mis ici sigma prime. Sigma prime, c'est la contrainte effective. Pourquoi nous avons mentionné cette contrainte effective? C'est pour dire que c'est une contrainte. C'est la contrainte propre au sol, ça veut dire sans eau. Si nous avons un sol saturé avec le squelette solide et l'eau, donc c'est la contrainte appliquée sur le squelette solide uniquement, sans prendre en considération la pression interstitielle. Voilà. Pourquoi nous avons pris ça? Parce que nous cherchons la courbe intrinsèque. Comme son nom l'indique, intrinsèque, ça veut dire propre au sol. Je veux déterminer les caractéristiques intrinsèques du sol, ça veut dire qu'ils sont propres au sol seul. D'accord? Je pourrais trouver d'autres courbes qui sont toujours des courbes enveloppes, des états de contrainte, pour le cas des contraintes totales, ça veut dire les contraintes appliquées sur le sol, y compris la pression de l'eau, la pression interstitielle. Mais dans ce cas, c'est toujours possible, je peux faire tous les calculs que je veux, que nous allons voir par la suite, mais je ne pourrais pas dire que cette courbe enveloppe est une courbe intrinsèque, parce qu'elle concerne le sol avec son eau. J'espère que c'est compris. Donc ici, pour dire que je parle du sol seul, j'ai mis ici une contrainte effective sigma prime. Et même ici, la contrainte tangentielle tau prime. Même si le tau prime, c'est égal à tau, puisque l'eau n'a pas de contrainte tangentielle. L'eau a toujours, c'est une pression hydrostatique. Donc, elle a toujours, dans toutes les directions, c'est toujours une contrainte normale. Il n'a pas de composante tangentielle. C'est-à-dire que la résistance tau, c'est égal à tau prime, là. Mais sigma prime, c'est égal à sigma moins E. Voilà. Alors, je reviens maintenant à ma courbe intrinsèque. Alors, je dirais que la courbe change en fonction de la nature du matériau. Si j'ai un sol pulvérulent, vous voyez ici que les deux demi-droites, elles se rencontrent ici, au niveau de l'origine des axes. Voilà. Et pour le sol cohérent, donc, ils se rencontrent un peu plus loin, donc ici. Donc, pas à l'origine comme c'est le cas du sol pulvérulent. Voilà. Donc, l'expérience a montré qu'il y a cette différence dans les courbes intrinsèques dans un sol. Ici, pourquoi? En fait, pour le sol cohérent, j'ai ça. Qu'est-ce que ça représente, ça, cette grandeur? C'est une contrainte. Alors, donc, cette contrainte, elle représente quoi? C'est une résistance du sol. Je pourrais dire que plus ces courbes sont écartées, plus j'ai ce champ-là est important, plus le sol est résistant. Vous êtes d'accord? Parce que ça permet un état de contrainte dans les cercles plus grands. Ça permet d'abriter des cercles de plus en plus grands. D'accord? Donc plus C est grand, plus le sol est résistant. Donc c'est une caractéristique mécanique du sol qui va augmenter sa résistance. Ça, c'est d'un point. Aussi le phi. Le phi, c'est l'angle entre O sigma et la courbe. Ça veut dire que plus mon angle phi est important, plus le sol est résistant. Je dirais aussi que cet angle phi, c'est une caractéristique mécanique du sol. Donc, la résistance de mon sol dépend de ces deux paramètres, C' et F'. Cette caractéristique C' est appelée cohésion. Ça, c'est le C. Et le phi est appelé angle de frottement. Ce sont les caractéristiques mécaniques intrinsèques du sol, puisque je parle ici en contrainte, en termes de contraintes effectives. Voilà. Alors, voilà. Alors, pour les sols cohérents, j'ai cette cohésion-là. Elle traduit quoi? Elle traduit une résistance que le sol a déjà avant
d'avoir ou avant de subir aucune contrainte normale. Vous savez que lorsque la contrainte normale augmente, l'état de contrainte normale augmente, la résistance augmente automatiquement. Supposons là que j'ai un cercle de mort. Alors le maximum que je peux avoir, c'est ça. Alors pour un point qui se trouve là, voilà la contrainte normale sigma N1 par exemple. Mais si j'augmente le sigma N, la contrainte normale, par exemple ce point, ça veut dire que le cercle correspondant, il est plus grand. Sigma N2. Donc plus la contrainte normale augmente dans mon sol, le cercle de mort correspondant est plus grand. D'accord? Et la courbe intrinsèque, elle est plus elle se trouve au-dessus. Ça veut dire que la résistance du sol est plus importante. Elle suit la grandeur du cercle de mort à cause ou bien grâce à cet angle phi. Voilà. Donc lorsque j'augmente la contrainte normale, le sol, la résistance du sol augmente aussi à cause de cette pente ici que j'ai. Donc, ici, la cohésion, elle traduit une résistance que le sol a déjà avant de subir aucune contrainte normale. D'accord? Avant même de subir cette contrainte normale, il a déjà une résistance à lui. Cette résistance, elle provient d'où? Elle provient de de sa composition minéralogique, de ce maintien des grains entre elles. Pour le sol cohérent, il y a toujours des grains qui sont maintenus entre elles, ce qui donne cette résistance préalable. Cette chance n'est pas donnée au cas des sols pulvérulents, comme c'est le sable ou bien les graviers. Donc, la résistance au début, elle est nulle. Mais au fur et à mesure que les contraintes normales augmentent, donc la résistance augmente aussi avec phi. Donc, pour les sols pulvérulents, le seul paramètre effectif mécanique de résistance que j'ai, c'est C', parce que C' c'est égal à 0. Mais pour les sols cohérents, j'ai C' et C'. Et bien sûr, je peux écrire les équations des deux demi-droites. Donc la résistance au cisaillement d'un sol pulvérulent, c'est taux' est égal à sigma prime, c'est la contrainte normale fois tangente phi prime, angle de frottement interne. Et pour le cas des sols cohérents, taux prime est égal à C prime plus sigma prime tangente phi prime. J'espère que c'est clair. Je tiens à préciser en dernier lieu que les deux demi-droites constituant la courbe intrinsèque sont appelées aussi les droites de Coulomb. Alors, ils sont issus de la loi de plasticité parfaite qui est nommée critère de Coulomb. Qu'est-ce que c'est que cette plasticité parfaite? C'est qu'on considère que le sol reste et a un comportement élastique jusqu'à la limite de son élasticité où il subit directement la rupture. D'accord? Donc, il passe la loi du comportement du sol, il est comme ainsi. Donc, ici, la loi du comportement, c'est la relation contrainte-déformation. Donc, ici, j'ai un domaine linéaire élastique, j'arrive à la limite d'élasticité, après, c'est directement la rupture du sol. Donc, il n'y a pas de transition, il n'y a pas d'écrouissage, donc c'est directement le passage des contraintes admises aux contraintes de rupture. C'est le critère qui a été adopté ici. Donc, les cercles de mort que nous avons vus, ils peuvent augmenter sans problème, mais dès qu'ils sont, ils font intersection avec la courbe intrinsèque, c'est la rupture qui provient. Voilà, c'est la plasticité parfaite. On dit que c'est un critère, un comportement élastique parfaitement plastique. Nous allons examiner maintenant le cas spécial d'un sol grenu de type sableux. Nous allons voir le cas du sable et nous allons essayer de voir l'angle de talus naturel d'un sable. Imaginez qu'il y a un camion qui vient pour verser du sable. Donc il va le verser, il y a un talus naturel qui va se manifester au niveau de ce sable. Après un certain temps, il y aurait stabilisation
de ce sable selon un talus. C'est ce qu'on appelle le talus naturel du sable. Nous allons examiner maintenant le cas spécial d'un sol grenu de type sableux. Nous allons voir le cas du sable et nous allons essayer de voir l'angle de talus naturel d'un sable. Imaginez qu'il y a un camion qui vient pour verser du sable. Donc, il va le verser. Il y a un talus naturel qui va se manifester au niveau de ce sable. Après un certain temps, il y aurait stabilisation de ce sable selon un talus. C'est ce qu'on appelle le talus naturel. Mais avant d'entamer ce point, je tiens à préciser que pour le sable, l'angle de frottement interne phi prime a la même valeur, que le sol soit sec, humide ou saturé. Ça veut dire que l'angle de frottement interne ne dépend pas de l'état d'humidité ou la teneur en eau du sol. Pourquoi? Parce que le phi, cet angle de frottement, c'est quoi en fait? Il traduit le frottement entre les grains. Plus le frottement entre les grains est important, plus cet angle est important aussi. Voilà. Donc, lorsque mon sol contient de l'eau, avec les vides qu'il y a, ce sont de gros vides relativement au sol fin, il y a de grands vides. Ça veut dire que l'eau, avec sa forte perméabilité du sol, trouve rapidement son chemin. Et ainsi, donc, le frottement des grains est toujours maintenu. D'accord? Il est toujours maintenu puisque aucune pression interstitielle ne peut se développer dans le sable grâce à sa perméabilité élevée. Mais il y a d'autres critères qui entrent en jeu pour influencer la valeur de phi. Donc c'est premièrement, c'est la compacité. Plus le sable est compact, il est serré, les grains du sable sont serrés. Ceci pourrait être traduit ou bien représenté par le paramètre indice de densité. Si vous en rappelez bien sûr, nous avons déjà fait. Donc l'indice de densité, plus il est grand, plus le sol il est dense, plus le phi devient important. Alors le phi devient aussi, il est influencé aussi par la forme et la rugosité des grains. C'est évident puisque c'est en relation directe avec le frottement. Plus le sol est rugueux, plus le frottement est important, donc le phi est grand. Voilà. Donc ça passe, le phi est le plus important lorsque les grains sont aigus et il est moins important lorsque ils sont sphériques, lisses. Voilà. Ça dépend aussi de la grosseur des grains. Plus les grains sont grands, ce sont de gros grains, plus le phi est important. Et aussi le phi dépend de la répartition granulaire des grains. Plus la granulométrie est étalée, plus le sol a un phi plus important. Quand je dis granulométrie étalée, ça veut dire que dans le sol, il y a un petit peu de toutes les dimensions. Je peux trouver des dimensions différentes des grains. D'accord? Donc quand je dis des dimensions différentes, ça veut dire que dans les petits vides, il y a des petits grains qui vont s'introduire et dans les grands vides, il y a des grands grains. Ça veut dire qu'avec une structure ou bien avec une granulométrie étalée, la densité du sol est meilleure. Voilà, est meilleure. Et dans ce cas, le phi devient plus important. Ce sont grosso modo les paramètres qui entrent en jeu pour influencer la valeur de phi, mais pas la teneur en eau, comme je viens de préciser. Ça, c'est juste pour quelques données sur le sable. Je reviens maintenant à l'angle de talus naturel du sable. Alors, je vais considérer un talus de sable sec d'angle bêta. Voilà. Alors, à la profondeur H, sur un plan parallèle à la pente. Je prends un plan qui est parallèle à la pente. Alors la contrainte appliquée ici, c'est une contrainte qui est due au poids propre des terres qui se trouvent au-dessus. C'est une contrainte géostatique. D'accord? Nous avons déjà vu l'année dernière contrainte géostatique, contrainte naturelle, dans le cas sur une surface qui est parallèle à la surface du terrain incliné d'un angle bêta. Alors nous avons écrit
que la contrainte normale, c'est une contrainte, je vais l'écrire en effectif, c'était combien? C'était égal à gamma fois h fois cosinus de bêta. D'accord? Voilà. Alors, cette contrainte, c'est le poids des terres qui se trouve au-dessus. Donc, automatiquement, puisque c'est un poids, elle est verticale. Voilà, verticale. Donc, sur ce plan, moi, je veux chercher les contraintes appliquées sur ce plan qui a la direction bêta par rapport à l'horizontale. Donc, elle a une composante normale sur cette facette dont le repère local est une composante tangentielle. Voilà, sigma prime n étant nt prime. Alors, sigma prime nt, donc naya sigma, les composantes sigma n prime est égal à gamma fois h fois cosinus bêta qui est sigma prime fois le cosinus de bêta, c'est cosinus carré bêta. Et tau prime n est égal à gamma fois h fois cosinus de bêta fois le sinus de bêta. Voilà. Imaginez qu'il est à son équilibre limite. Ça veut dire que la contrainte tau n, elle est égale à tau prime f. D'accord? Tau prime n est égal à tau prime f. Tau prime f, c'est tau failure, ou là, tau r, c'est tau à la rupture. Alors, qu'est-ce que c'est le tau à la rupture? Ce n'est que la contrainte sigma prime normale fois quoi? Fois tangente phi. C'est l'équation de la courbe intrinsèque dans le cas d'un sol grenu. Voilà. Donc, lorsque j'écris gamma h cosinus bêta sinus bêta, voilà, gamma h cosinus bêta sinus bêta est égal à gamma h, la contrainte normale, cosinus carré bêta tangente phi. Ça veut dire que lorsque je vais simplifier, je vais trouver que tangente bêta est égale à tangente phi. Ça veut dire que bêta est égal à phi prime. Ceci dit, je pourrais dire que l'angle de frottement interne phi, c'est la pente limite que prendra le talus de sable sec avec le temps. Donc, une fois je verse le sable, j'attends un peu pour que le sol se stabilise sur une pente. Et après, si je mesure cette pente, bêta, je trouverai que c'est toujours inférieur ou égal à phi. Donc, phi, c'est vraiment la valeur maximale qu'on pourrait atteindre. Alors, qu'en est-il maintenant des lignes de glissement? Nous avons dit qu'il y aurait une rupture lorsqu'on va arriver à l'intersection du cercle de mort avec la courbe intrinsèque. Et nous avons dit que ça va se produire au niveau de la surface qui est représentée par ce point d'intersection. Alors, l'objectif maintenant, c'est de déterminer la direction des lignes sur lesquelles il y aurait un glissement. Alors, je prends ici le cercle de mort. Voilà, il est tangent aux deux demi-droites. Il n'y a pas une seule intersection, mais il y en a deux. Donc, on a l'habitude de représenter uniquement la moitié du cercle parce que c'est symétrique. Mais normalement, il y a deux intersections. Ça veut dire qu'il y a deux surfaces sur lesquelles il y aurait un glissement par cisaillement. Alors, si je prends celle-là, donc ce point-là, il se trouve à quel angle par rapport à la direction principale majeure là? Donc, c'est ici, c'est pi demi, et ici, c'est phi. Donc, on retrouve ici cet angle-là, l'angle phi, l'angle de frottement interne du sol phi. Ça veut dire que tout ça, c'est phi plus pi demi. Dans le cercle de mort, j'ai tourné dans ce sens de pi demi plus phi. Ça veut dire que dans le plan réel, je vais tourner de pi sur 4 plus phi sur 2 dans le sens contraire par rapport à la direction principale majeure. Donc, supposons que ça, c'est la direction principale majeure. Je répète que la direction principale majeure, c'est la normale au plan principal majeur. Donc, je vais tourner, voilà, donc j'ai tourné de pi sur 4 plus phi prime sur 2 avec le signe moins. Le signe moins ici, ça signifie uniquement le sens. Donc, j'ai tourné de pi sur 4 plus phi sur 2. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc, ça, c'est la normale. C'est une normale. Donc, lorsque j'ai trouvé aussi une normale. C'est la normale de la surface de rupture. Ça veut dire que c'est ça, la ligne de glissement.
que nous avons appelé alpha. Voilà, la ligne de glissement alpha. Si je veux trouver la deuxième ligne de glissement bêta, celle-là, donc qu'est-ce que je vais faire? Par rapport au plan principal ici, pour arriver là, je vais tourner avec le même angle, c'est pi demi plus phi prime, mais dans le sens contraire. Donc par rapport au plan, à la direction principale majeure, je vais tourner aussi ainsi. Voilà, je vais trouver la deuxième normale N2. Donc voilà, donc elle est normale sur le deuxième plan de rupture, c'est la ligne de glissement bêta. Voilà. Donc ceci dit, je dirais que les lignes de glissement, les deux lignes de glissement, les surfaces forment avec la contrainte principale majeure un angle de pi sur 4 moins phi sur 2. Voilà, donc avec la contrainte principale majeure, c'est la direction principale majeure. Donc la ligne ici, elle fait pi sur 4 moins phi sur 2. C'est mu que vous voyez là. Donc les deux, voilà, comme vous voyez, pi sur 4 moins phi sur 2. Nous pouvons dire que cet angle est appelé nu, est appelé angle de glissement. Et comme vous voyez, il ne dépend ni de la cohésion, ni de l'état de contrainte dans le sol. Il dépend uniquement de l'angle de frottement interne. Nous allons finir maintenant notre présentation par des relations très importantes entre les contraintes principales au moment de la rupture. Au moment de la rupture, le cercle de mort est tangent à la demi-droite de Coulomb. Voilà. On veut déterminer les relations entre les contraintes principales, ça veut dire sigma 3, sigma 1, et les caractéristiques mécaniques du sol, C' et Φ'. C'est ça l'objectif de ce paragraphe. Voilà. Alors nous allons essayer d'exploiter géométriquement le schéma que nous avons ici, qui représente le cercle de mort et la droite de Coulomb. Et nous pourrions pour trouver la relation entre les quatre paramètres que je viens de citer. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais expliquer d'une façon générale, grosso modo. Si vous voulez, vous pouvez faire les calculs en détail. Alors, je vais écrire que ici, le I, c'est le centre du cercle de mort. Le T, c'est le point d'intersection. Et voilà, je pourrais écrire que IT est égal à IR plus RT. Le point R, il est représenté comme suit avec RT. C'est cette distance-là. qui pourrait être déduite en utilisant la cohésion du sol et l'angle de frottement interne ici. Alors, donc le IT c'est quoi? C'est le rayon du cercle. Alors le rayon du cercle c'est quoi? C'est sigma 1' moins sigma 3' sur 2. Et le IR c'est quoi? C'est sigma 1' plus sigma 3' sur 2, ça veut dire c'est cette distance, COI, fois sinus phi'. Sinus phi' pour trouver le IR. Et pour le RT, j'ai dit, on peut le trouver en fonction de C'. C'est quoi? C'est le C' cosinus phi'. Donc, une fois j'ai écrit cette relation, c'est une relation entre sigma', sigma 3', phi' et C'. C'est ce que je cherche là. Mais je vais développer la relation avec en faisant des changements de variables pour trouver une relation qui va être pratique par la suite. Alors, je vais l'écrire directement. Voilà, je vais dire que sigma 1' est égal à tangente carrée pi sur 4 plus phi' sur 2 sigma 3' plus 2 C' tangente pi sur 4 plus phi' sur 2. Et je pourrais l'écrire d'une autre façon en avançant cette fois-ci sigma 3'. Donc sigma 3' c'est égal à tangente carrée pi sur 4 moins phi' sur 2 sigma 1' moins 2 C' tangente pi sur 4 moins phi' sur 2. Voilà. Donc c'est la même relation, sauf que ici c'est sigma 1' qui est exprimé en fonction de sigma 3', et dans la deuxième relation, c'est le contraire. Ces relations sont très faciles à trouver. Je vous ai donné le début et à vous donc d'en finir.
Je crois que c'est simple, sauf si vous trouverez des difficultés, on pourrait en parler par la suite. Essayez de le faire, ça pourrait constituer un petit devoir, d'accord? Donc ces relations, comme je viens de dire, elles sont très importantes et vont être utilisées à maintes reprises par la suite. Voilà. Donc c'est ça. Donc cette séance, je l'ai consacrée surtout aux critères de rupture, aux courbes enveloppes, les droites de Coulomb, la résistance au cisaillement, etc. Donc pour pouvoir bien préciser ces éléments avant de passer au laboratoire. Parce que ces éléments mécaniques, les caractéristiques mécaniques du sol, à savoir ses primes et ses primes, ils sont déterminés au laboratoire par des essais correspondants. Et donc la séance prochaine, nous allons passer sans tarder. Alors, je vous laisse pour le moment et à la prochaine. Merci.